Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swarkulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le sac à dos de Groot et comment vous allez pouvoir débloquer le pouvoir de Groot. Alors, le pouvoir de Groot, c'est d'invoquer Rocket Raccoon. Et pour obtenir le pouvoir de Groot, il faudra que vous soyez palier 46 pour débloquer les défis de l'éveil de Groot. Alors, quand vous aurez ces défis, vous débloquerez 3 défis à réaliser. Alors, bien entendu, moi, je n'ai pas encore débloqué les défis, mais je sais ce qu'il faut faire, donc je vais quand même vous le dire au cas où vous auriez déjà débloqué le skin. Alors, quand vous serez palier 46, vous débloquerez 3 défis à réaliser. Le premier défi qui va vous permettre de débloquer le sac à dos de Groot, c'est de sauver Groot Arbrisseau de la pépinière à Holy Edge. Donc pour réaliser le défi numéro 1 que je vais vous montrer à l'instant, équipez-vous du skin Groot ou sinon ça ne fonctionnera pas. Alors pour réaliser le défi, vous allez devoir vous rendre à Holy Edge et en plein milieu d'Holy Edge, comme je vous le montre dans le gameplay, il y a 3 petites plantes. Et bien au milieu de ces 3 petites plantes, il y aura le mini Groot. Il sera dans un petit pot, donc appuyez sur la touche action pour le récupérer et vous l'obtiendrez carrément en sac à dos. Donc à la fin de la partie, vous le débloquerez carrément en tant que sac à dos. Le deuxième défi est de planter une graine sur une île en forme de cœur en tant que Groot. Alors pour réaliser ce défi, vous devrez vous équiper du skin Groot et vous rendre sur l'île en forme de cœur qui se trouve à côté de Sweetie Sand, comme vous le voyez dans le gameplay. Donc rendez-vous à cet emplacement-là et appuyez sur la touche action pour planter une graine. À ce moment-là, vous aurez terminé ce défi. Et le troisième défi qui va vous permettre de débloquer le pouvoir de Groot d'invoquer Rocket est d'utiliser une émote en tant que Groot à un monument pour l'amitié. Alors bien entendu, il faudra que vous équipiez du skin Groot et ensuite vous allez devoir vous rendre à un monument pour l'amitié qui se trouve juste à côté de Sweetie Sands, comme vous le voyez dans le gameplay. Alors rendez-vous bien au pied de ce monument, puis ensuite faites une émote pour débloquer Rocket. Et là vous débloquerez Rocket comme une sorte de sac à dos et vous pourrez l'utiliser dans les prochaines parties en tant que sac à dos si bien sûr vous utilisez Groot parce que c'est l'émote spéciale uniquement pour Groot. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de Groot. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swarkulo le mec et ciao. Peace.